Bonjour, alors comment détecter facilement un défaut de vision? Si vous avez un doute sur votre vision, évidemment, vous pouvez aller chez l'ophtalmologiste ou venir nous voir au magasin Atoll, ça c'est pas un problème, mais comment vous pouvez faire ça presque en famille, comme un jeu? C'est facile. Déjà, il faut comparer. Comparer, alors oui, on va déjà partir du postulat que quand on ne voit pas ou quand on ne voit pas correctement ou comme vous devriez, on ne le sait pas. On ne le sait pas tout simplement parce qu'on n'a jamais vu comme on devrait. Donc on n'a pas de moyen de comparaison. Mais pour tester ça, c'est assez simple. Prenez une chaîne d'information. Vous allumez la télé, mettez une chaîne d'information et vous lisez le bandeau. Déjà, vous pouvez comparer par rapport à votre voisin, à la personne qui est assise à côté de vous, de savoir si vous voyez de la même manière, que ce soit les toutes petites lettres ou les lettres un peu plus grosses, mais aussi, et attention à ça, faites-le bien œil par œil. C'est-à-dire que vous cachez un œil, vous lisez, vous cachez l'autre et vous faites pareil. Idem pour la vision de près, ça, on s'en rend compte, vous prenez des petites lignes, si vous commencez à reculer ou à vouloir mettre beaucoup plus de lumière pour voir, c'est peut-être qu'il y a un début de presbytie. Peut-être, hein. C'est pas forcément que ça. Donc, c'est important de pouvoir tester, mais vous pouvez tester aussi en famille, en voiture, en lisant les panneaux, tout simplement. Le premier qui le lit a gagné. Ou quand on voit qu'il y en a un qui est toujours en retard, on essaye de le faire lire et de voir à quelle distance lui il peut le voir. Et de comparer par rapport à vous, mais c'est important. On a quand même 80% des informations que l'on perçoit du monde, de notre environnement, du monde extérieur, qui passent par la vision. Donc faites-le, testez-vous, allez chez l'ophtalmo. Si vous n'y avez jamais été, alors là, il faut y aller. Je pense que c'est indispensable de faire un contrôle, que ce soit même au niveau de la vision, mais même de contrôler l'œil en tant qu'organe. Hein. Faites ça, s'il vous plaît, que ce soit pour vous. Ah ouais, vous vivrez mieux, même si vous ne vous en rendez pas compte. Alors peut-être que vous n'en avez pas envie de porter des lunettes, entre autres, pas de vivre mieux. Hein. Mais faites-le, faites tester votre vue, venez au magasin, à Atoll à Istres, évidemment, je vous le ferai avec grand plaisir de faire un petit test de vue, savoir si effectivement il y a des choses à améliorer ou non. Hein. Attention, je ne suis pas en train de dire que tout le monde, que tous ceux qui portent des lunettes devraient en porter, c'est absolument pas le cas. Mais testez-vous, c'est important. Voilà. Et eh bien, je vous dis à très bientôt chez Atoll à Istres. Allez, au revoir.